je me dis, c'est vraiment pas normal. Donc, si les autorités nous écoutent, franchement, qu'on revoie cette loi-là. Donc, je demande aussi l'avis de ceux qui sont sur le plateau. Voilà, si on peut vraiment faire quelque chose, parce que ça, c'est vraiment pas juste. Merci beaucoup. Mais je veux dire à mademoiselle, je parle Kalou, c'est ça, non? Kalou, c'est bien ça. Elle appelle de Je Yumkougon. suis désolé, mais la vie, elle est faite d'injustices. Il y a des injustices qui sont faites aux hommes en faveur des femmes et il y a des injustices faites aux femmes en faveur des hommes. Je Des pense hommes. que c'est réciproque. C'est vrai que de façon culturelle, voir une femme avec plusieurs garçons, c'est choquant et blessant, mais la culture semble plus ou moins l'accepter. Du côté des hommes. Vous savez, c'est les régions qui nous aident beaucoup, sinon au village, un homme valide, il a beaucoup de femmes, ça ne choque personne, mais j'ai jamais vu une femme avec plusieurs maris, la société ne l'accepte pas. Donc je la comprends, mais je lui souhaite simplement d'avoir un mari exemplaire, un mari affectueux, un mari Mais responsable et moi, respectable. docteur Voilà. Broman, je la comprends parce que là, il y a un problème. Vous dites que c'est vrai, l'injustice, c'est normal, ça Elle est existe partout, humaine. elle est humaine. Mais sa préoccupation, c'est qu'elle dit le fait de voir une dame avec un compagnon dans la rue, on la condamne de faire l'adultère. Non, je pense Alors que pas. l'homme, il Hein. faut Non, non, prendre non, la non, femme non, non. avec une autre partenaire plusieurs fois de façon Bon, régulière moi, je connais et on dit que pas. Il faut c'est éviter un injustice qu'elle. juriste parce que je connais pas cette loi, mais voir un homme et une femme dans la rue, une femme mariée dans la rue, marcher avec un homme et de la traiter d'adultère. Je pense qu'elle allait peut-être un peu trop loin, trop, trop fort. Parce que quand même, on va au boulot, on a nos collègues, nos collaboratrices ou nos collaborateurs qui sont des hommes mariés, des femmes mariées, On a des avec lesquels on connaissances, des oui. connaissances, avec lesquels on partage des repas, on partage des fêtes, des moments de joie. Si cela doit être accusé d'adultère, ça veut dire finalement que chacun vit chez lui. Parce que quand je vais au marché pour marchander quelque chose, je marchande avec une femme mariée. Et si de là à la traiter, je pense que c'est en fonction de l'attitude que souvent les gens ont. Par exemple, vous êtes une femme mariée, vous êtes dans la rue, la main dessus-dessous, il y a des attitudes qui prêtent Des à comportements des légers. comportements légers, ça pose problème. Mais sinon, marcher simplement dans la rue avec une femme, de grâce, nous autres qui passons à la télévision, qu'on salue à tous les carrefours, on va être tout de suite accusés d'avoir couché Nous avec un des avons gens. Mademoiselle Ange qui Hein. nous appelle de Yopougon. Décidément, Yopougon est vraiment. C'est une commune qui est heureuse de nous accueillir cet après-midi. Absolument. Alors, Ange, bonjour. Oui, bonjour madame, comment Ça allez-vous? va bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous... J'aimerais participer un peu au débat du Allez-y, jour. allez-y. Ok, moi personnellement, je parle de moi et mon histoire. Vous êtes Voilà, célibataire? Vous êtes je parle marié? de. Non, non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. D'accord. Allez-y, ça nous intéresse, Voilà. ça. Voilà, je me suis fiancée avec quelqu'un avec qui je suis restée. Nous avons fait 6 ans ensemble. Et il ne se décidait pas pour le mariage. Il était tout le temps dehors, il découchait, il était avec les filles par-ci par-là, essayait de faire comprendre à ce dernier que si on a décidé de s'unir, c'est pour pouvoir aller de l'avant, puis se marier, fonder vraiment une famille. Mais je comprends que toi, tu t'es pas encore engagé en tant que tel dans la relation. Et c'est chaque fois les histoires. Donc moi, personnellement, j'ai décidé de prendre du recul, m'asseoir, l'observer de loin. Au cas où ça ne change pas, où ça ne va pas, je ne pense pas vraiment m'engager dans cette relation jusqu'à aller au mariage. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis. Merci beaucoup de votre contribution, docteur Brou, Miss Carole Conan. C'est vrai que Bon, là, ce n'est pas. on interpelle les hommes qui refusent de Oui, je s'engager. voudrais peut-être dire un Est-ce mot que ces avant. hommes-là, est-ce que ces hommes-là savent vraiment ce que c'est que, je veux dire, la vie, le couple? Peut-être ils sont nés pour rester seuls, je pense. Non, pas forcément. Dans le cas de Miss Ange, moi, j'ai envie de dire en fait qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte quand elle se mettait avec ce monsieur-là. Est-ce que c'est dans la dynamique de se marier? Est-ce que ce n'était pas du bout des La lèvres? base, Parce d'abord, que est-ce que la voilà, base est-ce que ce n'est était pas parce qu'il avait sincère? besoin de quelqu'un? Il y a des gens qui sont prêts en fait à aller de l'avant, mais pas à pas. Il y a des gens qui n'ont pas de problème en fait pour le mariage. Mais il faut se rendre, on se rendra compte que c'est au bout de 10 ans qu'on aura l'occasion vraiment de lui mettre l'idée du mariage dans la tête. Parce que faut pas croire que c'est seulement les femmes qui sont blessées par le mariage. Les hommes aussi, même s'ils ne le disent pas.
Il y a des hommes qui sont là. Le disent. Il y en a qui le disent. Oui, il y en a qui le disent. Mais en fait, je le dis, même s'ils ne le disent pas, parce que la plupart du temps, les hommes n'aiment pas faire forcément ressortir leurs faiblesses. Ouais. Donc, il dirait, par exemple, qu'il est d'accord pour se marier et tout, mais sans comprendre pourquoi ça tarde. Parce que quelque part, lui aussi, il a ses propres blessures, lui aussi, il a sa propre expérience qu'il a glanée ici et là. Il y a la peur de vouloir s'engager. Il y a la peur aussi de vouloir s'engager. Il y a l'expérience de ses parents ou d'autres personnes aussi, des aînés qu'il a vus. Il y a des échecs de mariage. Oui. Donc, même s'il ne dit pas « je ne veux pas me marier », parce que l'idée de se marier, il a quelque part dans la tête, il a quelque part dans l'esprit, il a envie, mais il peut avoir cette pression-là sur lui. Et c'est Miss Ange, en fait, dans son approche avec son fiancé, qui peut voir, en fait, où il en est par rapport au mariage, s'il a vraiment envie de se marier ou si c'est quelqu'un qui veut rester. Est-ce qu'elle a bien fait de prendre du recul? Moi, je pense que oui. Oui. Moi, je pense que oui. Tout à l'heure, la dame a dit, Miss Kalou, la dame avant avait dit, c'est mieux de marcher seul que mal accompagné. Moi, je préfère. Nous avons Monsieur Koné qui nous appelle du Gabon. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, madame. Ça va bien au Gabon? Oui, oui, ça va très bien. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires là-bas? Oui, il y en a plusieurs, oui. Je suppose que vous êtes un célibataire aussi? Oui, ça va très bien. Vous êtes célibataire, pas trop bien? Oui, il y en a des célibataires également, mais moi je suis marié. D'accord, vous êtes marié. Alors, nous parlons du célibat. Oui. Et votre regard là-dessus? Je suis marié. Bon, j'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, s'il vous plaît, madame Carole, demoiselle Carole est mariée. Non. Allô? Oui, je suis là, j'ai répondu, j'ai dit que non. Ah, il est parti. D'accord, j'espère qu'il reviendra parce que... Merci, il revient peut-être pour le mariage. Parce que non, parce qu'il est marié. C'est vrai qu'il... Il revient? Non, on va continuer avec Dr. Brou. Bon, je pense que la jeune fille qui a appelé tout à l'heure, malheureusement, ce sont des situations très fréquentes et malheureuses. Ce sont des situations malheureuses. Mais elle ne pouvait pas savoir qu'elle avait affaire à quelqu'un qui allait... Oui, je ne l'accuse pas, voilà. Je ne la condamne pas. Mais ce sont des situations malheureuses. Je ne condamne même pas les hommes qui ne le font pas. Vous savez, en matière de mariage, il y a tellement de choses dessus, c'est trop compliqué. Quand vous êtes dans une famille où la famille est rigide, rigidement opposée au mariage, parce qu'on estime que s'il se marie, la fille va venir prendre tous les biens, et que cette personne n'a pas suffisamment de poisse pour contrecarrer avec courtoisie et politesse la famille, c'est difficile. J'ai entendu des parents qui disent à leurs enfants, tu peux te prendre une femme, ok, mais si vous mariez à la mairie, tu n'es plus mon enfant. Donc je pense que ce monsieur qui ne se marie pas, il a peut-être des raisons, peut-être qu'ils ne sont pas valables, mais il a ses raisons. Tout à fait. Et il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui vivent en concubinage avec des jeunes filles qui auraient voulu régler ce problème. Mais je l'ai dit, à côté des problèmes financiers, il y a la famille. Il y a des familles où les gens ne se marient même pas. Quand vous êtes le premier qui voulait sortir de la tête, c'est des marteaux sur votre tête. Vous êtes persécuté. Parce que dans notre contexte, et pendant longtemps, se marier chez nous, c'est synonyme d'aller à la mort. C'est synonyme de se faire tuer par une femme pour prendre ses biens. Donc il y a des familles aujourd'hui encore, même des familles de grands intellectuels, qui sont contre le mariage à la mairie. Parce que si on se marie, on va me tuer, prendre mes biens. Ou on se fait engloutir par sa belle famille, en fait. Ouais. Comme si on n'appartient plus absolument à la famille, on part dans l'autre. Voilà, ne vous voulez pas que l'ancien ministre Kipré d'Éducation nationale disait que quand vous faites un homme, un garçon, ce n'est plus pour vous. On dit que c'est pour la belle famille. Ça reste à prouver. Et puis, si vous avez une fille, c'est que vous, parce qu'elle va se marier à un homme bien, et cet homme-là, oh, aujourd'hui, d'ailleurs, les hommes... On préfère recevoir qu'en donner. Voilà, alors que ça. La vie, c'est donner et recevoir. Donc, normalement, chacun devait avoir son compte dans ce type de relation. La femme a son compte, bien sûr, à sa famille. J'ai toujours dit, moi, ma position est que un être humain ne naît pas du ciel. C'est-à-dire, il ne tombe pas comme ça, comme des gouttes de pluie. Il naît d'une famille, d'un père et d'une mère qui ont souffert pour l'accompagner et qui ont quand même droit à un minimum de respect et d'être honoré d'une certaine manière. Donc chacun devait y avoir son compte, mais l'élément essentiel, c'est l'homme et la femme. Dès lors que des intérêts mesquins sont en jeu, ce sont des facteurs de pression qui amènent les hommes ou la femme à ne pas se marier. Imaginez, vous marchez avec un homme et qui n'arrive pas à se décider parce que les parents mettent la pression,
Il est évident qu'à un moment, la jeune fille ne comprend rien. Il m'a dit, je préfère rester dans mon coin. C'est ce que Miss Ange a fait. C'est peut-être ce qu'il y a. Je ne dis pas qu'il y a des pressions sur le monsieur, mais ce sont des cas de figure qui se présentent régulièrement. Nous avons Madame Kouakou qui nous appelle d'Atoban. Madame Kouakou, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes madame, ça veut dire que vous êtes mariée. Madame Kouakou, moi je suis mariée. Oui. Mais j'ai une de mes soeurs qui vit un drame en ce moment. Oui. Ça fait maintenant 15 ans qu'elle vit avec quelqu'un qui l'a pas adoptée, qui n'a pas fait coco-co. Et le monsieur a des enfants. Et les enfants du monsieur ne la respectent pas. Elle a eu des enfants avec le monsieur, Non, elle n'a pas eu des enfants avec le monsieur. Le monsieur a ses enfants à lui-même. Ça fait 15 ans qu'elle est avec le monsieur. Elle est intellectuelle. Elle est intellectuelle. Elle fait quelque chose de travail. Oui, elle est intellectuelle. Bon, elle s'est dit au fur et à mesure que ça allait aller, mais ça va de mal en pire. Donc, elle a quitté son mari. Oui. En ce moment, elle est en famille. J'aimerais vous demander, parce que moi, je l'ai dit, c'est pas la peine qu'elle retourne. Puisqu'il n'a pas fait de coco-co. Et puis, c'est une croyance. Pourquoi rester dans ce foyer? D'accord. Il se présente quand même aux parents pour faire coco-co et faire la dot. Et le monsieur n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce que vous attendez ce stage-là, bon, elle se dit, bon, quand même, j'ai 44 ans, je suis vieille, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'aller de retourner auprès de ce monsieur et puis subir le non-respect de ses enfants? Et puis dire à la société que je suis mariée. Voilà. Docteur Brou. Bon, c'est dramatique. Et il y a encore une fois de plus de nombreux cas de figure comme ça que nous rencontrons au quotidien, parmi nos amis, nos connaissances. Je voudrais dire quelque chose. Une fois qu'on a eu ce sujet, je le dis souvent, j'ai l'impression que le problème de Mariam est devenu un diplôme pour les femmes en Côte d'Ivoire. Le mariage est une bonne chose. C'est d'origine divine. Ouais. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est un don. Et c'est une grâce. Donc personne, moi je suis marié, ne peut pas me dire c'est une mauvaise chose. Je suis marié, je suis content d'être marié. Et je souhaite que tous les jeunes se marient, toutes les jeunes filles, tous ceux que je connais, ceux que je ne connais pas d'ici et d'ailleurs se marient. Mais pas à n'importe quel prix. Parce que ce que j'ai remarqué avec nous, on a même nous-mêmes nos propres amis, qui veulent tellement se marier qu'on fait fi même du minimum de ce qui est élémenté avant d'aller à un mariage. Le respect de sa dignité. Oui, vous ne pouvez pas vous lever de chez vos parents. Allez, je préfère le copinage, où tu es chez toi, je suis chez moi. C'est mieux que de dire je suis marié alors qu'on ne vous a même pas fait de coco. Mais c'est une injure à votre famille. Je m'excuse d'être peut-être trop fort, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous êtes un enfant, une fille, les gens se sont occupés de vous, vous avez un certain âge, sous prétexte de devenir vieille, comme elle a dit. Donc on ne fait même pas le minimum, on ne vient pas voir les parents, et puis on vous prend. C'est comme on vous a récupéré dans la rue. Et je dis toujours à mes amis, quand on vous prend dans la rue, on vous dépose dans la rue. Donc le monsieur a raison de se comporter comme ça. Ah oui, bien sûr. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur qui disait, si tu ne veux plus de ma fille, tu me la ramènes parce que tu ne l'as pas prise dehors. Si le jour tu vois que tu es fatigué, que tu ne l'aimes plus, tu me la ramènes chez moi parce que tu l'as prise chez moi. Miss Conan, vous qui êtes célibataire, pour le moment, quel conseil vous pouvez donner à la jeune dame qui vient de quitter son homme comme ça? C'est revoltant. Voilà. Oui, monsieur Brou, qui nous appelle d'Adjamé. C'est pas docteur Brou, hein, c'est monsieur Brou d'Adjamé. C'est monsieur Brou. D'accord, on vous écoute. Oui, vraiment ce débat est un grand débat parce que le chef de l'institution en parle, les parents aussi en parlent, aussi à leurs enfants. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, si ces personnes qui refusent de se marier, ça fait des personnes qui peuvent avoir des mauvais entourages, des mauvais conseillers, suivre la vie de leurs amis, qui, au fait, avoir l'idée d'être libre, d'appeler n'importe quelle fille, de sortir à n'importe quelle heure. Donc, pour moi, vraiment, c'est un problème qui doit être réglé depuis un large adolescence. Voilà. Les parents doivent énormément en parler à leurs enfants de se préparer à se marier au cas où tout va dans leur vie, au cas où ils auront un travail ou une maison, être indépendants, de penser au mariage et aussi de les soutenir. Et avec tous ces conseils-là, quand ce dernier
rentrera dans une phase pour faire son choix. Je crois que cette personne va se rappeler comment on appelle, des conseils qu'elle a reçus depuis un certain temps, depuis faire le bon choix de la vie et affronter le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas une chose facile, c'est une vie vraiment où on change de mentalité, où on devient plus responsable. Donc pour moi, vraiment, ce n'est pas facile de se marier, c'est d'avoir de bons conseils et puis de se faire soutenir pour pouvoir... Merci beaucoup, M. Brou, merci beaucoup. Miss Conan. Oui, donc ça vous revient, cette question, vous qui êtes célibataire. Je disais surtout concernant l'intervention de Madame Kaku, de Madame Kwaku, qui avait sa sœur qui vivait cela. Je disais que c'était révoltant. Je veux dire, quand tu es, moi, je suis plus jeune, je suis vraiment beaucoup plus jeune que sa sœur dont elle est en train de parler. Et quand tu entends ce genre de choses là quelque part, ça révolte, voilà. Mais je peux pas être trop révoltée aussi parce que Docteur Brou, avant mon intervention, il a dit comment ça devait se passer. Il est vrai aussi, je pense qu'en Afrique, peut-être qu'on ne revient pas trop à nos sources aussi. C'est pour cela que j'aime beaucoup Dr Brou, parce que lui, il est toujours en train de revenir à ça, à nos traditions, à nos coutumes. Quand il est connu, on ne va pas comme ça dans le foyer d'un homme. Quand je calcule bien, sa sœur avait 29 ans quand elle se mettait avec ce monsieur-là. Elle est peut-être partie les deux, trois premières années dans une idée d'indépendance, d'avoir son propre foyer. Parce que quelque part aussi, en tant que femme, ça nous challenge. Une femme, on aime bien ça, voilà, se mettre en ménage avec un homme et commencer à se sentir indépendante. Mais au bout de deux, trois premières années, on se rend compte que, voilà, quelque part, il y a des choses qui n'ont pas été faites. On revient à ses parents. Voilà, aujourd'hui, 15 ans après, elle revient à sa famille. Si elle avait commencé avec sa famille, aujourd'hui... La situation aurait été différente. Ferme avec elle-même d'abord. Déjà ferme un peu avec elle-même, se donner un peu plus de temps. Docteur Brou l'a dit tout à l'heure, très souvent, bon, j'ai 27 ans, j'ai 28 ans, je suis en train de vieillir, je vis chez mes parents, c'est pas sérieux, il est bon que je me mette avec un homme, on se brade. Ça aussi, quelque part, il y a la condition de la femme aussi. Peut-être qu'on va revenir sur un sujet où on prend vraiment la fragilité de la femme dans nos sociétés, mais quelque part, il y a la femme aussi, il y a notre condition. On se dit, j'ai vieilli, je travaille, j'ai un peu d'argent, je vais me mettre avec quelqu'un. On va bâtir quelque chose. De toutes les façons, on commence à construire un peu, puis ça donne quelque chose. Mais quand ce n'est pas bien fait, quand ce n'est pas bien ficelé, voilà les situations dans lesquelles on se met. Le monsieur qui a appelé tout à l'heure a parlé du bien fondé, du mariage et de tout. De l'entourage qui influençait les partenaires. Quand on va se marier, ce n'est pas nous-mêmes, on va se marier. En Afrique, c'est connu. Je pense qu'en tant que jeune, il est temps aussi qu'on arrête de toujours copier sur les Blancs. On ne se marie pas seul. Ça, c'est connu. En Afrique, c'est deux familles. Les Blancs ne se marient pas seuls. Oui, mais on a vu tellement de situations où des gens se sont levés, des jeunes se sont levés sans la bénédiction de leurs parents, dans les films et tout ça, pour partir, qu'on se dit quelque part, devant, on va s'arranger. Et les jeunes copient cette Voilà, et nous, on copie image. Ce genre de choses. On se dit, les parents ne comprennent pas, nos parents ne comprennent pas le mariage. Eux, c'était avant nous, là, c'est vraiment les trucs de jeunes. Eux, ils comprennent pas. Moi, je vais partir, je vais essayer de m'arranger puis revenir. Mais quelque part, et dans cette occasion, dans cette émission, on l'a fait tellement de fois, revenir sur l'impact que nos parents doivent avoir sur nous et sur l'importance des conseils et de la position de nos parents dans les choix que nous faisons. Quand ton père ou ta mère te dit « Attends, le monsieur va venir », tant qu'il n'est pas venu te prendre, il est bon d'attendre. Docteur Brou l'a dit tout à l'heure. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut quand même savoir prendre sur soi pour se dire, comme Docteur Brou l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas venir me prendre dans la rue comme ça. Parce que c'est nous-mêmes aussi qui nous donnons les chines. Et quand on nous frappe, ça fait mal. 15 ans après, on revient en se disant, eh bien, papa, maman, il est venu dormir ici parce que le monsieur m'a chassé. Oui. C'est pas bien. C'est vraiment révoltant. Docteur Brou, nous avons quelques minutes pour terminer cette émission. Quels sont les conseils qu'on peut prodiguer à ces jeunes personnes, à ces personnes adultes même, qui ne croient plus en la vie, qui ont décidé de vivre dans le célibat? Et puis, est-ce que le célibat, c'est vraiment quelque chose de négatif? Non, c'est pas négatif, forcément. Moi, je connais des gens qui vivent leur célibat, ils vivent bien. Il y a quelqu'un qui me disait, il dit pourri, il dit bon, quand tu te maries, tu meurs vite. Non, lui, si tu ne maries pas, pourri, pas mourir vite. Bon, il dit ça pour rire. Une minute, on a M. Armel de Yopougon. M. Armel, bonjour. Oui, bonjour, madame. On attend rapidement votre intervention. Bonjour, madame. Oui, allez-y. Oui, moi je pense que le célibat, c'est vrai, comme on l'a dit certaines personnes, ça dépend vraiment des situations vécues par le passé. Mais moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions dépasser
cette façon de voir les choses. Mais moi, par exemple, moi, j'ai vécu beaucoup de tragédies en matière d'amour. Donc aujourd'hui, j'ai renoncé à ça et puis je suis prêt maintenant à me marier et à laisser tout ce que j'ai vécu derrière moi. C'est votre choix. Et c'est, oui, et c'est ce que moi, je demande également à ceux-là qui ont vécu des douleurs, ceux-là qui ont vécu vraiment des choses qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et qu'ils pensent et qu'ils voient que maintenant... Merci beaucoup. On va rapidement demander les conseils à Dr. Brou. Ce que je demande, c'est que c'est surtout pour limiter la situation de célibat, c'est l'engagement de toute la société. À nos amis, il est évident que quand vous fréquentez un cercle d'amis mariés, ça peut vous encourager avec leurs conseils. Ils vont vous dire un peu le côté, parce qu'il y a le côté caché malsain du mariage aussi. Et ils vont vous donner tous les conseils nécessaires, ça peut vous motiver. La famille également a son rôle à jouer, mais par-dessus tout, il s'agit, si nous voulons sortir du célibat, d'une certaine maturité. Nous avons besoin de beaucoup de maturité et de responsabilité. Parce que souvent, c'est des choses qu'on met en restreint. Mais les gens ont peur souvent d'engager leurs responsabilités. Ils ont peur d'assumer leur maturité. Donc, on veut rester toujours enfant. Non, moi, je veux quelqu'un qui va me comprendre. Quand je vais pleurer, il faut qu'il vienne essuyer mes larmes. Si j'ai faim, il faut qu'il coupe pour me donner à manger rapidement. Il faut qu'il lave mes habits, etc., etc. Mais si on va dans cet esprit d'enfantillage, excusez-moi de l'expression, il est évident qu'on ne peut pas réussir pendant longtemps dans une relation. En réalité, ce n'est pas évident, mais la vraie relation dans laquelle on s'engage pour ne pas être célibataire, c'est celle qui consiste à se donner. Dès lors que dans une relation on ne se donne pas, on cultive les germes du célibat, de vivre seul. Même une amitié, moins vous donnez, moins vous gagnez. Donc une amitié qui dure, une amitié qui est efficace et qui est solide, c'est une relation dans laquelle on donne. Malheureusement, nous sommes dans une société nouvelle où, que ce soit dans le mariage, on ne veut que recevoir. Non, il n'a pas fait ça pour moi. Il ne m'a pas appelé, il n'a pas acheté mon portable, il ne m'a pas envoyé dans boîte de nuit, il ne m'a pas envoyé ceci. Il n'a pas... Donc, à un moment donné, c'est difficile. Mais ne pas être célibataire, c'est s'engager dans la dynamique du donner, du recevoir. Dès lors que quelqu'un dit « moi, je veux rompre avec le célibat », la signification réelle pour moi, c'est de dire que désormais, alors qu'auparavant, j'étais dans la disposition à ne recevoir, je suis désormais dans la disposition à donner et à recevoir. Si celle qui vient est dans la même dynamique, vous allez voir que les concessions peuvent se faire. Parce que nous venons avec des éducations différentes, des tempéraments différents, l'éducation différente, tellement de choses différentes qui font que c'est difficile. Mais si on comprend ça, on peut se donner les moyens de surmonter et de vaincre le célibat. Mais dès lors qu'on se dit « bon, on est compliqué, personne ne me comprend ». Moi, j'ai entendu des gens me dire « personne ne me comprend ». Ils n'ont jamais dit qu'ils comprennent, mais personne ne les comprend. C'est terrible. Miss Kona, est-ce que vous allez dans le même sens que lui? Oui. Il faut vaincre le célibat ou bien l'assumer? Je veux remercier Dr. Brou parce que les conseils qu'il donne, je pense qu'ils sont valables aussi pour moi. Tu vas me le payer après. Non, je ne paye pas de consultation. Vraiment, merci pour les conseils que vous nous avez donnés. Je pense qu'ils sont avisés parce que très souvent, on attend beaucoup des autres. Et quand on se retrouve à évaluer ce qu'on est prêt à donner, ce n'est pas grand-chose. Ni de notre présence, ni de notre attention, ni de la tendresse. On ne peut rien donner. Mais on estime que c'est les autres qui ont tout ce qui est nécessaire pour nous. Et à cela, je voulais ajouter aussi, vraiment pour toutes les filles, pour toutes les jeunes qui sont célibataires actuellement, mais qui aspirent au mariage, qu'il faut rentrer, c'est un esprit, le mariage. On ne sait peut-être pas ce qu'il y a dedans, en vrai. Mais on estime que pour partir, il faut être bien armé, il faut être prêt. Pour les jeunes filles, il faut apprendre à tenir son foyer. Arrêter de se promener dans les bois de nuit, tous les soirs. Ce n'est pas là-bas qu'on trouve les hommes. Il y a un petit proverbe comme donc ça qui disait... Donc c'est un comportement, ce n'est plus un esprit, là. Non, quand je dis c'est un esprit, il faut le revertir, il faut le revertir, en fait. D'accord. Donc dans sa manière de marcher... C'était juste pour il rire. Faut, oui, dans sa manière de marcher,
faut arrêter de sortir tous les soirs, par exemple, parce que c'est clair que tu vas rencontrer un monsieur qui s'attendra à ce que sa femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Être épouse, il faut demander conseil à sa mère, aux femmes qui sont autour. Il faut être attentionné. Il y a des choses qui s'apprennent. Il y a des choses qui s'apprennent sur le tas au fur et à mesure qu'on va marcher, qu'on va s'imprégner de cet esprit, de cette atmosphère. On va se rendre compte qu'on avait oublié certaines choses, on avait oublié certaines attentions vis-à-vis de l'autre et que, qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure parce qu'on côtoie maintenant des personnes qui sont dans le mariage et qui savent c'est quoi. Il faut vraiment qu'on soit attentionné, qu'on soit ouvert pour les autres et puis surtout arrêter de se plaindre et de se morfondre, de dire que moi j'ai rencontré un gars qui m'a traumatisé, qui me frappait, qui ne s'occupait pas de moi. Il faut arrêter ces choses-là, s'ouvrir aux autres pour pouvoir vraiment recevoir ce qui est bon pour nous. Merci Miss Conan, et c'est ici que s'arrête ce rendez-vous de votre magazine journalier. On garde le contact. J'ai été heureuse en compagnie de Dr Brou, de Miss Carole Conan, de vous entretenir pendant quelques minutes. Demain, c'est sûr qu'on se retrouvera pour une autre histoire, un autre débat sur un autre sujet de famille, bien sûr. Et puis, portez-vous bien. Et puis, à demain donc. Merci.